René Guénon, La crise du monde moderne. Chapitre 1er, L'âge sombre. La doctrine hindoue enseigne que la durée d'un cycle humain, auquel elle donne le nom de Manvantara, se divise en quatre âges, qui marquent autant de phases d'un obscurcissement graduel de la spiritualité primordiale. Ce sont ces mêmes périodes que les traditions de l'Antiquité occidentale, de leur côté, désignaient comme les âges d'or, d'argent, d'airain et de fer. Nous sommes présentement dans le quatrième âge, le Kali Yuga, ou âge sombre, et nous y sommes, dit-on, depuis déjà plus de 6000 ans, c'est-à-dire depuis une époque bien antérieure à toutes celles qui sont connues de l'histoire classique, entre guillemets. Depuis lors, les vérités qui étaient autrefois accessibles à tous les hommes sont devenues de plus en plus cachées et difficiles à atteindre. Ceux qui les possèdent sont de moins en moins nombreux. Et si le trésor de la sagesse non humaine, entre guillemets, antérieure à tous les âges ne peut jamais se perdre, il s'enveloppe de voiles de plus en plus impénétrables qui le dissimulent au regard et sous lesquels il est extrêmement difficile de le découvrir. C'est pourquoi il est partout question, sous des symboles divers, de quelque chose qui a été perdu, en apparence tout au moins, et par rapport au monde extérieur, et que doivent retrouver ceux qui aspirent à la véritable connaissance, mais il est dit aussi que ce qui est ainsi caché redeviendra visible à la fin de ce cycle, qui sera en même temps, en vertu de la continuité qui relie toutes choses entre elles, le commencement d'un cycle nouveau. Mais, demandera-t-on sans doute, pourquoi le développement cyclique doit-il s'accomplir ainsi dans un sens descendant, en allant du supérieur à l'inférieur, ce qui, comme on le remarquera sans peine, est la négation même de l'idée de progrès, entre guillemets, telle que les modernes l'entendent. C'est que le développement de toute manifestation implique nécessairement un éloignement de plus en plus grand du principe dont elle procède. Partant du point le plus haut, elle tend forcément vers le bas, et comme les corps pesants, elle y tend avec une vitesse sans cesse croissante jusqu'à ce qu'elle rencontre enfin un point d'arrêt. Cette chute pourrait être caractérisée comme une matérialisation progressive, car l'expression du principe est pure spiritualité. Nous disons l'expression et non le principe même, car celui-ci ne peut être désigné par aucun des termes qui semblent indiquer une opposition quelconque, étant au-delà de toutes les oppositions. D'ailleurs, des mots comme ceux d'esprit, entre guillemets, et de matière, entre guillemets, que nous empruntons ici pour plus de commodité au langage occidental, n'ont guère pour nous qu'une valeur symbolique. Ils ne peuvent, en tout cas, convenir vraiment à ce dont il s'agit qu'à la condition d'en écarter les interprétations spéciales qu'en donne la philosophie moderne, dont spiritualisme, entre guillemets, et matérialisme, entre guillemets, ne sont, à nos yeux, que deux formes complémentaires qui s'impliquent l'une l'autre et qui sont pareillement négligeables pour qui veut s'élever au-dessus de ces points de vue contingents. Mais d'ailleurs, ce n'est pas de métaphysique pure que nous nous proposons de traiter ici, et c'est pourquoi, sans jamais perdre de vue les principes essentiels, nous pouvons, tout en prenant les précautions indispensables pour éviter tout équivoque, nous permettre l'usage de termes qui, bien qu'inadéquats, paraissent susceptibles de rendre les choses plus facilement compréhensibles dans la mesure où cela peut se faire sans toutefois les dénaturer. Ce que nous venons de dire du développement de la manifestation présente une vue qui, pour être exacte dans l'ensemble, est cependant trop simplifiée et schématique, en ce qu'elle peut faire penser que ce développement s'effectue en ligne droite, selon un sens unique et sans oscillation d'aucune sorte. La réalité est bien autrement complexe. En effet, il y a lieu d'envisager en toute chose, comme nous l'indiquions déjà précédemment, deux tendances opposées, l'une descendante et l'autre ascendante, ou, si l'on veut se servir d'un autre mode de représentation, l'une centrifuge et l'autre centripète, et de la prédominance de l'une ou de l'autre procèdent deux phases complémentaires de la manifestation, l'une d'éloignement du principe, l'autre de retour vers le principe, qui sont souvent comparées symboliquement au mouvement du cœur ou aux deux phases de la respiration. Bien que ces deux phases soient d'ordinaire décrites comme successives, il faut concevoir qu'en réalité, les deux tendances auxquelles elles correspondent agissent toujours simultanément, quoique dans des proportions diverses, et il arrive parfois, à certains moments critiques, où la tendance descendante semble sur le point de l'emporter définitivement dans la marche générale du monde, qu'une action spéciale intervient pour renforcer la tendance contraire de façon à rétablir un certain équilibre au moins relatif,
telles que peuvent le comporter les conditions du moment, et à opérer ainsi un redressement partiel par lequel le mouvement de chute peut sembler arrêté ou neutralisé temporairement. Note de bas de page. Ceci se rapporte à la fonction de conservation divine, entre guillemets, qui dans la tradition hindoue est représentée par Vishnu, et plus particulièrement à la doctrine des avataras, ou descente, entre guillemets, du principe divin dans le monde manifesté, que nous ne pouvons naturellement songer à développer ici. Retour au texte. Il est facile de comprendre que ces données traditionnelles, dont nous devons nous borner ici à esquisser un aperçu très sommaire, rendent possible des conceptions bien différentes de tous les essais de philosophie de l'histoire, entre guillemets, auxquels se livrent les modernes, et bien autrement vastes et profondes. Mais nous ne songeons point, pour le moment, à remonter aux origines du cycle présent, ni même plus simplement au début du Kali Yuga, au début de Kali Yuga. Nos intentions ne se rapportent d'une façon directe tout au moins qu'à un domaine beaucoup plus limité, aux dernières phases de ce même Kali Yuga. On peut en effet, à l'intérieur de chacune des grandes périodes dont nous avons parlé, distinguer encore différentes phases secondaires qui en constituent autant de subdivisions, et chaque partie étant dans quelque façon analogue en tout, ces subdivisions reproduisent, pour ainsi dire sur une échelle plus réduite, la marche générale du grand cycle dans lequel elles s'intègrent. Mais là encore, une recherche complète des modalités d'application de cette loi aux divers cas particuliers nous entraînerait bien au-delà du cadre que nous nous sommes tracés pour cette étude. Nous mentionnerons seulement, pour terminer ces considérations préliminaires, quelques-unes des dernières époques particulièrement critiques qu'a traversées l'humanité, celle qui rentre dans la période que l'on a coutume d'appeler « historique », entre guillemets, parce qu'elle est effectivement la seule qui soit vraiment accessible à l'histoire ordinaire ou profane, entre guillemets. Et cela nous conduira tout naturellement à ce qui doit faire l'objet propre de notre étude, puisque la dernière de ces époques critiques n'est autre que celle qui constitue ce qu'on nomme les temps modernes. Il est un fait assez étrange, qu'on semble n'avoir jamais remarqué comme il mérite de l'être, c'est que la période proprement « historique », entre guillemets, au sens que nous venons d'indiquer, remonte exactement au VIe siècle avant l'ère chrétienne, comme s'il y avait là, dans le temps, une barrière qu'il n'est pas possible de franchir à l'aide des moyens d'investigation dont disposent les chercheurs ordinaires. À partir de cette époque, en effet, on possède partout une chronologie assez précise et bien établie pour tout ce qui est antérieur. Pour tout ce qui est antérieur, au contraire, on n'obtient en général qu'une très vague approximation, et les dates proposées pour les mêmes événements varient souvent de plusieurs siècles. Même pour les pays où l'on a plus que de simples vestiges épars, comme l'Égypte par exemple, cela est très frappant. Et ce qui est peut-être plus étonnant encore, c'est que, dans un cas exceptionnel et privilégié comme celui de la Chine, qui possède pour des époques bien plus éloignées des annales datées au moyen d'observations astronomiques qui ne devraient laisser de place à aucun doute, les modernes n'en qualifient pas moins ces époques de « légendaires », entre guillemets, comme s'il y avait là un domaine où ils ne se reconnaissent le droit à aucune certitude et où ils s'interdisent eux-mêmes d'en obtenir. L'antiquité dite « classique », entre guillemets, n'est donc, à vrai dire, qu'une antiquité toute relative et même beaucoup plus proche des temps modernes que de la véritable antiquité, puisqu'elle ne remonte même pas à la moitié du Kali Yuga, dont la durée n'est elle-même, suivant la doctrine hindoue, que la dixième partie de celle du Manvantara. Et l'on pourra suffisamment juger par là jusqu'à quel point les modernes ont raison d'être fiers de l'étendue de leurs connaissances historiques. Tout cela, répondrait-il sans doute encore pour se justifier, ce ne sont que des périodes légendaires, entre guillemets. Et c'est pourquoi ils estiment n'avoir pas à en tenir compte. Mais cette réponse n'est précisément que l'aveu de leur ignorance et d'une incompréhension qui peut seule expliquer leur dédain de la tradition. L'esprit spécifiquement moderne, ce n'est en effet, comme nous le montrerons plus loin, rien d'autre que l'esprit anti-traditionnel. Au VIe siècle, avant l'ère chrétienne, il se produisit, quelle qu'en ait été la cause, des changements considérables chez presque tous les peuples. Ces changements présentèrent d'ailleurs des caractères différents suivant les pays. Dans certains cas, ce fut une réadaptation de la tradition à des conditions autres que celles qui avaient existé antérieurement, réadaptation qui s'accomplit en un sens rigoureusement orthodoxe.
C'est ce qui eut lieu notamment en Chine, où la doctrine, primitivement constituée en un ensemble unique, fut alors divisée en deux parties nettement distinctes. Le taoïsme, réservé à une élite, et comprenant la métaphysique pure et les sciences traditionnelles d'ordre proprement spéculatif, le confucianisme, commun à tous sans distinction, et ayant pour domaine les applications pratiques et principalement sociales. Chez les Perses, il semble qu'il y ait eu également une réadaptation du mazdéisme, car cette époque fut celle du dernier Zoroastre. Note de bas de page. Il faut remarquer que le nom de Zoroastre désigne en réalité non un personnage particulier, mais une fonction, à la fois prophétique et législatrice. Il y eut plusieurs Zoroastres, qui vécurent à des époques fort différentes, et il est même vraisemblable que cette fonction dut avoir un caractère collectif, de même que celle de Vyasa dans l'Inde, et de même aussi qu'en Égypte, ce qui fut attribué à Thoth ou Hermès représente l'œuvre de toute la caste sacerdotale. Retour au texte. Dans l'Inde, on vit naître alors le bouddhisme, qui, quel qu'ait été d'ailleurs son caractère originel, devait aboutir au contraire, tout au moins, dans certaines de ses branches, à une révolte contre l'esprit traditionnel, allant jusqu'à la négation de toute autorité, jusqu'à une véritable anarchie au sens étymologique d'absence de principe, entre guillemets, dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre social. Note de bas de page. La question du bouddhisme est en réalité loin d'être aussi simple qu'on pourrait le donner à penser, que pourrait le donner à penser ce bref aperçu. Et il est intéressant de noter que si les hindous, au point de vue de leur propre tradition, ont toujours condamné les bouddhistes, beaucoup d'entre eux n'en professent pas moins un grand respect pour le Bouddha lui-même, quelques-uns allant même jusqu'à voir en lui le neuvième Avatara, tandis que d'autres identifient celui-ci avec le Christ. D'autre part, en ce qui concerne le bouddhisme tel qu'il est connu aujourd'hui, il faut avoir bien soin de distinguer entre ces deux formes, du Mahayana et du Hinayana, ou du grand véhicule, entre guillemets, et du petit véhicule, entre guillemets. D'une façon générale, on peut dire que le bouddhisme hors de l'Inde diffère notablement de sa forme indienne originelle, qui commença à perdre rapidement du terrain après la mort d'Ashoka, et disparut complètement quelques siècles plus tard. Retour au texte. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on ne trouve dans l'Inde aucun monument remontant au-delà de cette époque. Et les orientalistes, qui veulent tout faire commencer au bouddhisme dont ils exagèrent singulièrement l'importance, ont essayé de tirer parti de cette constatation en faveur de leur thèse. L'explication du fait est cependant bien simple. C'est que toutes les constructions antérieures étaient en bois, de sorte qu'elles ont naturellement disparu sans laisser de traces. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un tel changement dans le mode de construction correspond nécessairement à une modification profonde des conditions générales d'existence du peuple chez qui il s'est produit. Note de bas de page. Ce cas n'est pas particulier à l'Inde et se rencontre aussi en Occident. C'est exactement pour la même raison qu'on ne trouve aucun vestige des cités gauloises dont l'existence est cependant incontestable, étant attestée par des témoignages contemporains. Et là également, les historiens modernes ont profité de cette absence de monuments pour dépeindre les Gaulois comme des sauvages vivant dans les forêts. Retour au texte. En nous rapprochant de l'Occident, nous voyons que la même époque fut, chez les Juifs, celle de la captivité de Babylone. Et ce qui est peut-être un des faits les plus étonnants qu'on ait à constater, c'est qu'une courte période de 70 ans fut suffisante pour leur faire perdre jusqu'à leur écriture, puisqu'ils durent ensuite reconstituer les livres sacrés avec des caractères tout autres que ceux qui avaient été en usage jusqu'alors. On pourrait citer encore bien d'autres événements se rapportant à peu près à la même date. Nous noterons seulement que ce fut pour Rome le commencement de la période proprement historique, succédant à l'époque légendaire des, entre guillemets, des rois, et qu'on sait aussi, quoique d'une façon un peu vague, qu'il y eut alors d'importants mouvements chez les peuples celtiques, mais sans y insister davantage. Nous en arriverons à ce qui concerne la Grèce. Là également, le sixième siècle fut le point de départ de la civilisation dite classique, la seule à laquelle les modernes reconnaissent le caractère historique, entre guillemets. Et tout ce qui précède est assez mal connu pour être traité de légendaire, entre guillemets.
Bien que les découvertes archéologiques récentes ne permettent plus de douter que, du moins, il y eut là une civilisation très réelle, et nous avons quelques raisons de penser que cette première civilisation hellénique fut beaucoup plus intéressante intellectuellement que celle qui l'a suivie, et que leurs rapports ne sont pas sans offrir quelque analogie avec ceux qui existent entre l'Europe au Moyen Âge et l'Europe moderne. Cependant, il convient de remarquer que la scission ne fut pas aussi radicale que dans ce dernier cas, car il y eut au moins partiellement une réadaptation effectuée dans l'ordre traditionnel, principalement dans le domaine des mystères, entre guillemets. Et il faut y rattacher le pythagorisme, qui fut surtout, sous une forme nouvelle, une restauration de l'orphisme antérieur, et dont les liens évidents avec le culte delphique de l'Apollon hyperboréen permettent même d'envisager une filiation continue et régulière avec l'une des plus anciennes traditions de l'humanité. Mais, d'autre part, on vit bientôt apparaître quelque chose dont on n'avait encore eu aucun exemple et qui devait par la suite exercer une influence néfaste sur tout le monde occidental. Nous voulons parler de ce mode spécial de pensée qui prit et garda le nom de philosophie, entre guillemets. Et ce point est assez important pour que nous y arrêtions quelques instants. Le mot philosophie, entre guillemets, en lui-même, peut assurément être pris en un sens fort légitime qui fut sans doute son sens primitif, surtout s'il est vrai que, comme on le prétend, c'est Pythagore qui l'employait le premier. Étymologiquement, il ne signifie rien d'autre qu'amour de la sagesse, entre guillemets. Il désigne donc tout d'abord une disposition préalable requise pour parvenir à la sagesse, et il peut désigner aussi, par une extension toute naturelle, la recherche qui, naissant de cette disposition même, doit conduire à la connaissance. Ce n'est donc qu'un stade préliminaire et préparatoire, un acheminement vers la sagesse, un degré correspondant à un état inférieur à celle-ci. La déviation qui s'est produite ensuite a consisté à prendre ce degré transitoire pour le but même, à prétendre substituer la philosophie à la sagesse, ce qui implique l'oubli ou la méconnaissance de la véritable nature de cette dernière. Note de bas de page. Le rapport est ici à peu près le même que celui qui existe dans la doctrine taoïste entre l'état de l'homme doué, entre guillemets, et celui de l'homme transcendant, entre guillemets. Retour au texte. C'est ainsi que prit naissance ce que nous pouvons appeler la philosophie profane, entre guillemets, c'est-à-dire une prétendue sagesse purement humaine dont d'ordre simplement une prétendue sagesse purement humaine, donc d'ordre simplement rationnel, prenant la place de la vraie sagesse traditionnelle, suprarationnelle et non humaine, entre guillemets. Pourtant, il subsista encore quelque chose de celle-ci à travers toute l'Antiquité. Ce qui le prouve, c'est d'abord la persistance des mystères, dont le caractère essentiellement initiatique, entre guillemets, ne saurait être contesté. Et c'est aussi le fait que l'enseignement des philosophes eux-mêmes avait à la fois le plus souvent un côté exotérique et un côté ésotérique, les deux termes entre guillemets. Ce dernier pouvant permettre le rattachement à un point de vue supérieur, qui se manifeste d'ailleurs d'une façon très nette, quoique peut-être incomplète à certains égards, quelques siècles plus tard, chez les Alexandrins. Pour que la philosophie profane, entre guillemets, fût définitivement constituée comme telle, il fallait que l'exotérisme, entre guillemets, seul demeurât et qu'on allât jusqu'à la négation pure et simple de tout ésotérisme, entre guillemets. C'est précisément à quoi devait aboutir chez les modernes le mouvement commencé par les Grecs, les tendances qui s'étaient déjà affirmées chez ceux-ci devaient être alors poussées jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes, et l'importance excessive qu'ils avaient accordée à la pensée rationnelle allait s'accentuer encore pour en arriver au rationalisme, entre guillemets. Attitude spécialement moderne qui consiste non plus même simplement à ignorer, mais à nier expressément tout ce qui est d'ordre suprarationnel. Mais n'anticipons pas davantage, car nous aurons à revenir sur ses conséquences et à en voir le développement dans une autre partie de notre exposé. Dans ce qui vient d'être dit, une chose est à retenir, particulièrement au point de vue qui nous occupe.
c'est qu'il convient de chercher dans l'Antiquité classique, entre guillemets, quelques-unes des origines du monde moderne. Celui-ci n'a donc pas entièrement tort quand il se recommande de la civilisation gréco-latine et s'en prétend le continuateur. Il faut dire cependant qu'il ne s'agit que d'une continuation lointaine et quelque peu infidèle, car il y avait malgré tout dans cette antiquité bien des choses dans l'ordre intellectuel et spirituel dont on ne saurait trouver l'équivalent chez les modernes. Ce sont en tout cas, dans l'obscuration progressive de la vraie connaissance, deux degrés assez différents. On pourrait d'ailleurs concevoir que la décadence de la civilisation antique est amenée d'une façon graduelle et sans solution de continuité à un état plus ou moins semblable à celui que nous voyons aujourd'hui. Mais en fait, il n'en fut pas ainsi, et dans l'intervalle, il y eut, pour l'Occident, une autre époque critique qui fut en même temps une de ces époques de redressement auxquelles nous faisions allusion plus haut. Cette époque est celle du début et de l'expansion du christianisme, coïncidant d'une part avec la dispersion du peuple juif et d'autre part avec la dernière phase de la civilisation gréco-latine. Et nous pouvons passer plus rapidement sur ces événements, en dépit de leur importance, parce qu'ils sont plus généralement connus que ceux dont nous avons parlé jusqu'ici et que leur synchronisme a été plus remarqué, même des historiens dont les vues sont les plus superficielles. On a aussi signalé assez souvent certains traits communs à la décadence antique et à l'époque actuelle, et sans vouloir pousser trop loin le parallélisme, on doit reconnaître qu'il y a en effet quelques ressemblances assez frappantes. La philosophie purement profane, entre guillemets, avait gagné du terrain. L'apparition du scepticisme d'un côté, le succès du moralisme, entre guillemets, stoïcien et épicurien de l'autre, montre assez à quel point l'intellectualité s'était abaissée. En même temps, les anciennes doctrines sacrées, que presque personne ne comprenait plus, avaient dégénéré, du fait de cette incompréhension en paganisme, entre guillemets, au vrai sens de ce mot, c'est-à-dire qu'elles n'étaient plus que des superstitions, entre guillemets, des choses qui, ayant perdu leur signification profonde, se survivent à elles-mêmes par des manifestations tout extérieures. Il y eut des essais de réaction contre cette déchéance. L'hellénisme lui-même tenta de se revivifier à l'aide d'éléments empruntés aux doctrines orientales avec lesquelles il pouvait se trouver en contact, mais cela n'était plus suffisant. La civilisation gréco-latine devait prendre fin, et le redressement devait venir d'ailleurs et s'opérer sous une toute autre forme. Ce fut le christianisme qui accomplit cette transformation. Et notons-le en passant, la comparaison qu'on peut établir sous certains rapports entre ce temps et le nôtre est peut-être un des éléments déterminants du messianisme, entre guillemets, désordonné qui se fait jour actuellement. Après la période troublée des invasions barbares, nécessaire pour achever la destruction de l'ancien état des choses, un ordre normal fut restauré pour une durée de quelques siècles. Ce fut le Moyen Âge, si méconnu des modernes, qui sont incapables d'en comprendre l'intellectualité et pour qui cette époque paraît certainement beaucoup plus étrangère et lointaine que l'Antiquité classique. Le vrai Moyen Âge, pour nous, s'étend du règne de Charlemagne au début du XIVe siècle. À cette dernière date commence une nouvelle décadence qui, à travers des étapes diverses, ira en s'accentuant jusqu'à nous. C'est là qu'est le véritable point de départ de la crise moderne. C'est le commencement de la désagrégation de la chrétienté, entre guillemets, à laquelle s'identifiait essentiellement la civilisation occidentale du Moyen Âge. C'est en même temps que la fin du régime féodal, assez étroitement solidaire de cette même chrétienté, entre guillemets, l'origine de la constitution des nationalités, entre guillemets. Il faut donc faire remonter l'époque moderne près de 2 siècles plus tôt qu'on ne le fait d'ordinaire. La Renaissance et la Réforme sont surtout des résultantes, et elles n'ont été rendues possibles que par la décadence préalable, mais bien loin d'être un redressement, elles marquèrent une chute beaucoup plus profonde parce qu'elles consommèrent la rupture définitive avec l'esprit traditionnel. L'une dans le domaine des sciences et des arts, l'autre dans le domaine religieux lui-même, qui était pourtant celui où une telle rupture eût pu sembler le plus difficilement concevable. Ce qu'on appelle la Renaissance fut en réalité, comme nous l'avons déjà dit en d'autres occasions, la mort de beaucoup de choses. Sous prétexte de revenir à la civilisation gréco-romaine, on n'en prit que ce qu'elle avait eu de plus extérieur, parce que cela seul avait pu s'exprimer clairement dans des textes écrits,
Et cette restitution incomplète ne pouvait d'ailleurs avoir qu'un caractère fort artificiel, puisqu'il s'agissait de formes qui, depuis des siècles, avaient cessé de vivre de leur vie véritable. Quant aux sciences traditionnelles du Moyen Âge, après avoir eu encore quelques dernières manifestations vers cette époque, elles disparurent aussi totalement que celles des civilisations lointaines qui furent jadis anéanties par quelques cataclysmes. Et cette fois, rien ne devait venir les remplacer. Il n'y eut plus, désormais, que la philosophie et la science profane, entre guillemets, c'est-à-dire la négation de la véritable intellectualité, la limitation de la connaissance à l'ordre le plus inférieur, l'étude empirique et analytique de faits qui ne sont rattachés à aucun principe, la dispersion dans une multitude indéfinie de détails insignifiants, l'accumulation d'hypothèses sans fondement qui se détruisent incessamment les unes les autres et de vues fragmentaires qui ne peuvent conduire à rien, sauf à ses applications pratiques qui constituent la seule supériorité effective de la civilisation moderne, supériorité peu enviable d'ailleurs, et qui, en se développant jusqu'à étouffer toute autre préoccupation, a donné à cette civilisation le caractère purement matériel qui en fait une véritable monstruosité. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est la rapidité avec laquelle la civilisation du Moyen Âge tomba dans le plus complet oubli. Les hommes du XVIIe siècle n'en avaient plus la moindre notion, et les monuments qui en subsistaient ne représentaient plus rien à leurs yeux, ni dans l'ordre intellectuel, ni même dans l'ordre esthétique. On peut juger par là combien la mentalité avait été changée dans l'intervalle. Nous n'entreprendrons pas de rechercher ici les facteurs, certainement fort complexes, qui concourent à ce changement, si radical qu'il semble difficile d'admettre qu'il ait pu s'opérer spontanément et sans l'intervention d'une volonté directrice dont la nature exacte demeure forcément assez énigmatique. Il y a, à cet égard, des circonstances bien étranges, comme la vulgarisation à un moment déterminé, et en les présentant comme des découvertes nouvelles, de choses qui étaient connues en réalité depuis fort longtemps, mais dont la connaissance, en raison de certains inconvénients qui risquaient d'en dépasser les avantages, n'avait pas été répandue jusque-là dans le domaine public. Note de bas de page. Nous ne citerons que deux exemples parmi les faits de ce genre qui devaient avoir les plus graves conséquences. La prétendue invention de l'imprimerie, que les Chinois connaissaient antérieurement à l'ère chrétienne, et la découverte officielle, entre guillemets, de l'Amérique, avec laquelle des communications beaucoup plus suivies qu'on ne le pense avaient existé durant tout le Moyen Âge. Retour au texte. Il est bien invraisemblable aussi que la légende qui fit du Moyen Âge une époque de ténèbres, d'ignorance et de barbarie ait pris naissance et se soit accréditée d'elle-même, et que la véritable falsification de l'histoire à laquelle les modernes se sont livrés, ait été entreprise sans aucune idée préconçue. Mais nous n'irons pas plus avant dans l'examen de cette question, car, de quelque façon que ce travail se soit accompli, c'est pour le moment la constatation du résultat qui, en somme, nous importe le plus. Il y a un mot qui fut mis en honneur à la Renaissance et qui résumait par avance tout le programme de la civilisation moderne, ce mot est celui d'humanisme, entre guillemets. Il s'agissait en effet de tout réduire à des proportions purement humaines, de faire abstraction de tout principe d'ordre supérieur, et pourrait-on dire symboliquement de se détourner du ciel sous prétexte de conquérir la terre. Les Grecs, dont on prétendait suivre l'exemple, n'avaient jamais été aussi loin en ce sens, même au temps de leur plus grande décadence intellectuelle, et du moins les préoccupations utilitaires n'étaient-elles jamais passées chez eux au premier plan, ainsi que cela devait bientôt se produire chez les modernes. L'humanisme, entre guillemets, c'était déjà une première forme de ce qui est devenu le laïcisme contemporain. Et en voulant tout ramener à la mesure de l'homme, pris pour une fin en lui-même, on a fini par descendre d'étape en étape au niveau de ce qu'il y a en celui-ci de plus inférieur, et par ne plus guère chercher que la satisfaction des besoins inhérents au côté matériel de sa nature, recherche bien illusoire du reste, car elle crée toujours plus de besoins artificiels qu'elle n'en peut satisfaire. Le monde moderne ira-t-il jusqu'au bas de cette pente fatale, ou bien, comme il est arrivé à la décadence du monde gréco-latin, un nouveau redressement se produira-t-il, cette fois encore, avant qu'il n'ait atteint le fond de l'abîme où il est entraîné?
Il semble bien qu'un arrêt à mi-chemin ne soit plus guère possible, et que, d'après toutes les indications fournies par les doctrines traditionnelles, nous soyons entrés vraiment dans la phase finale du Kali Yuga, dans la période la plus sombre de cet âge sombre, entre guillemets, dans cet état de dissolution dont il n'est plus possible de sortir que par un cataclysme, car ce n'est plus un simple redressement qui est alors nécessaire, mais une rénovation totale. Le désordre et la confusion règnent dans tous les domaines. Ils ont été portés à un point qui dépasse de loin tout ce qu'on avait vu précédemment. Et, parti de l'Occident, ils menacent maintenant d'envahir le monde tout entier. Nous savons bien que leur triomphe ne peut jamais être qu'apparent et passager, mais à un tel degré, il paraît être le signe de la plus grave de toutes les crises que l'humanité ait traversées au cours de son cycle actuel. Ne sommes-nous pas arrivés à cette époque redoutable annoncée par les livres sacrés de l'Inde, où les castes seront mêlées, où la famille même n'existera plus? Il suffit de regarder autour de soi pour se convaincre que cet état est bien réellement celui du monde actuel, et pour constater partout cette déchéance profonde que l'Évangile appelle l'abomination de la désolation, entre guillemets. Il ne faut pas se dissimuler la gravité de la situation. Il convient de l'envisager telle qu'elle est, sans aucun optimisme, entre guillemets, mais aussi sans aucun pessimisme, entre guillemets, puisque, comme nous le disions précédemment, la fin de l'ancien monde sera aussi le commencement d'un monde nouveau. Maintenant, une question se pose. Quelle est la raison d'être d'une période comme celle où nous vivons? En effet, si anormales que soient les conditions présentes considérées en elles-mêmes, elles doivent cependant rentrer dans l'ordre général des choses, dans cet ordre qui, suivant une formule extrême orientale, est fait de la somme de tous les désordres. Cette époque, si pénible et si troublée qu'elle soit, doit avoir aussi, comme toutes les autres, sa place marquée dans l'ensemble du développement humain. Et d'ailleurs, le fait même qu'elle était prévue par les doctrines traditionnelles est à cet égard une indication suffisante. Ce que nous avons dit de la marche générale d'un cycle de manifestation allant dans le sens d'une matérialisation progressive donne immédiatement l'explication d'un tel état et montre bien que ce qui est anormal et désordonné à un certain point de vue particulier n'est pourtant que la conséquence d'une loi se rapportant à un point de vue supérieur ou plus étendu. Nous ajouterons, sans y insister, que comme tout changement d'état, le passage d'un cycle à un autre ne peut s'accomplir que dans l'obscurité. Il y a là encore une loi forte, importante, et dont les applications sont multiples, mais dont, par cela même, un exposé quelque peu détaillé nous entraînerait beaucoup trop loin. Note de bas de page. Cette loi était représentée dans les mystères d'Eleusis, par le symbolisme du grain de blé. Les alchimistes la figuraient par la putréfaction, entre guillemets, et par la couleur noire qui marque le début du grand œuvre, entre guillemets, ce que les mystiques chrétiens appellent la nuit obscure de l'âme, entre guillemets, n'en est que l'application au développement spirituel de l'être qui s'élève à des états supérieurs, et il serait facile de signaler encore bien d'autres concordances. Retour au texte. Ce n'est pas tout. L'époque moderne doit nécessairement correspondre au développement de certaines des possibilités qui, dès l'origine, étaient incluses dans la potentialité du cycle actuel. Et, si inférieur que soit le rang occupé par ces possibilités dans la hiérarchie de l'ensemble, elles n'en devaient pas moins, aussi bien que les autres, être appelées à la manifestation selon l'ordre qui leur était assigné. Sous ce rapport, ce qui, suivant la tradition, caractérise l'ultime phase du cycle, c'est, pourrait-on dire, l'exploitation de tout ce qui a été négligé ou rejeté au cours des phases précédentes. Et, effectivement, c'est bien là ce que nous pouvons constater dans la civilisation moderne, qui ne vit en quelque sorte que de ce dont les civilisations antérieures n'avaient pas voulu. Il n'y a pour s'en rendre compte qu'à voir comment les représentants de celles de ces civilisations, qui se sont maintenus jusqu'ici dans le monde oriental, apprécient les sciences occidentales et leurs applications industrielles. Ces connaissances inférieures, si vaines au regard de qui possède une connaissance d'un autre ordre, devaient pourtant être réalisées, et elles ne pouvaient l'être qu'à un stade où la véritable intellectualité aurait disparu. Ces recherches, d'une portée exclusivement pratique, au sens le plus étroit de ce mot, devaient être accomplies, mais elles ne pouvaient l'être qu'à l'extrême opposé de la spiritualité primordiale, par des hommes enfoncés dans la matière au point de ne plus rien concevoir au-delà, et devenant d'autant plus esclaves de cette matière qu'ils voudraient s'en servir davantage,
ce qui les conduit à une agitation toujours croissante, sans règle et sans but, à la dispersion dans la pure multiplicité jusqu'à la dissolution finale. Telle est esquissée dans ses grands traits et réduite à l'essentiel, la véritable explication du monde moderne. Mais, déclarons-le très nettement, cette explication ne saurait aucunement être prise pour une justification. Un malheur inévitable n'en est pas moins un malheur. Et même si du mal doit sortir un bien, cela n'enlève point au mal son caractère. Nous n'employons d'ailleurs ici, bien entendu, ces termes de bien et de mal, entre guillemets, que pour nous faire mieux comprendre, et en dehors de toute intention spécifiquement morale, les désordres partiels ne peuvent pas ne pas être, parce qu'ils sont des éléments nécessaires de l'ordre total. Mais, malgré cela, une époque de désordre est, en elle-même, quelque chose de comparable à une monstruosité, qui, tout en étant la conséquence de certaines lois naturelles, n'en est pas moins une déviation et une sorte d'erreur, ou un cataclysme qui, bien que résultant du cours normal des choses, est tout de même, si on l'envisage isolément, un bouleversement et une anomalie. La civilisation moderne, comme toute chose, a forcément sa raison d'être. Et si elle est vraiment celle qui termine un cycle, on peut dire qu'elle est ce qu'elle doit être, qu'elle vient en son temps et en son lieu. Mais elle n'en devra pas moins être jugée selon la parole évangélique trop souvent mal comprise. Il faut qu'il y ait du scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Entre guillemets.